le Parti démocratique gabonais en est sorti presque déchiqueté du fait des batailles internes. René Ndemeso-Obion, ex-soutien de Jean Ping, fait le comeback au sein du parti présidentiel pour, dit-il, participer à sa reconstruction. Le désormais ex-premier secrétaire de Démocratie Nouvelle répond surtout à une offre politique portant formation des grands ensembles, telle que voulue par le sommet de l'État. Nous sommes convaincus que la démarche de la fusion est une excellente démarche qui grandit le Gabon, qui grandit notre démocratie. C'est de manière unanime que notre parti a accepté la proposition du président de la République. Je voudrais donc les saluer. Ses amis d'hier ne le lui pardonnent pas, mais le PDG qu'il rejoint est loin de bouder le plaisir du retour acté de René Ndemeso-Obion dans ses rangs. Nous formons toutes et tous une grande famille prompte à relever sans trêve les défis au profit du parti. Et pour l'heure, pour sa génération et sa revitalisation. C'est toujours un plaisir pour nous de voir le Parti démocratique gabonais s'agrandir, s'enrichir et se fertiliser grâce à la venue d'autres intelligences, d'autres esprits et d'autres expertises. En moins de 2 ans de la présidentielle de 2023, l'ancien opposant, réhabilité par ses camarades du PDG, est investi d'une mission, celle de ramener les héritiers politiques d'Omar Bongo Ondimba à la maison mère.